l'a arrêté de me suivre. Ça, c'est quelqu'un qui m'a demandé pardon il y a 4 de temps. Elle supprime le post, elle arrête de me suivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie calmement et je lui ai bloqué. Parce que j'ai compris que son pardon était ingrat. C'est un pardon parce qu'elle ne savait plus quoi faire ni où aller. Parce qu'elle avait peur des choses qu'elle avait faites et des choses qu'elle avait dites. Et si je vous fais écouter toutes les notes vocales, non seulement de sa sorcière d'assistante, son assistante là, et celle qui est avec elle actuellement, dont elle pense que c'est son assistante et pourtant c'est son serpent qui est à côté d'elle là. Et ses notes vocales à elle-même, où elle parle d'abord de coach Amonchik, que coach Amonchik est sale et elle est laide. Si je vous sors ça, vous allez tomber des nues. Ou si je vous sors les notes vocales où elle-même et des messages, et madame, si tu nies, si tu oses nier, je vais venir ici sortir tout ça. Où tu m'as demandé qu'à ton réveil, tu ne veux pas trouver la page de Pauline. La page de Pauline. Pourquoi? Parce que Pauline t'a envoyé une lettre pour te dire que madame Betty demandait son argent. Et tu dis que Pauline te fait des menaces. Et qu'est-ce que tu me demandes de faire? Que parce que mon mari travaille pour le FBI, je demande à mon mari qu'on supprime la page de Pauline. Le matin, tu m'as envoyé un message. Qu'est-ce que tu m'as dit? Belle, pourquoi sa page existe encore? Pourquoi son YouTube existe encore? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je n'aimerais pas faire à quelqu'un ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Et si tu nies, je sors les notes vocales et les messages. Donc, je te conseille de rester dans ton coin et arrêter de te souiller. Apprends à demander pardon quand tu as tort. Apprends à demander pardon. Tu restes dans ton coin, tu joues les...